All power to the people. 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 Annuel incontournable pour toutes celles et ceux qui luttent au quotidien contre le racisme et l'islamophobie. C'est un moment politique fondateur, un moment fécond d'une réflexion qui est à la fois substantielle, critique et éminemment politique. Une réflexion donc qui émane de la base, qui prend place en dehors des cadres institutionnels établis, et c'est ce qui rend l'événement intéressant. Et en cela, j'aimerais donc remercier chaleureusement les organisateurs qui se démènent chaque année pour faire de cet événement un vrai succès. Merci en particulier à Nordine, dont l'implication ne se dément pas au fil des ans. Voilà, je sais que je te mets un petit peu mal à l'aise, mais je le dis, donc dont l'implication ne se dément pas au fil du temps pour faire vraiment l'islamophobie un enjeu politique. Je me dois également, dans le même temps, de dire que je regrette profondément qu'aujourd'hui, on ne soit pas tous rassemblés, en tout cas tous les acteurs clés qui ont fait de la lutte contre l'islamophobie le cœur de leur action et de leur combat, qu'on ne soit pas tous réunis aujourd'hui à cette occasion. Comment est-ce qu'on peut en effet parvenir à inscrire à l'agenda politique la question de la lutte contre l'islamophobie si nous ne sommes pas entre acteurs de terrain unis, si on ne parvient pas à dépasser les divergences de vues, les divergences de stratégie, ainsi que les questions d'ego et de personne. Donc moi je le déplore assez fortement, et je pense qu'on a encore besoin un petit peu de temps, un petit peu de vision, peut-être un peu de maturité politique en Belgique, pour parvenir réellement à unifier nos voix, à lier nos forces vives. Comme l'appelle l'actualité, tant les enjeux sont importants et les défis nombreux. Alors on vient de vivre une année particulièrement marquée par une violence à la fois symbolique et réelle, et une recrudescence sans précédent des actes islamophobes, comme on a pu le voir dans différents rapports qui sont parus cette année-ci. Donc, lorsqu'on s'était retrouvé l'année dernière au second forum contre l'islamophobie, ça avait lieu juste après les attentats de Paris, donc on commençait à peine à dresser la liste de toutes les menaces qui pesaient sur nos libertés collectives, de toutes les menaces qui pesaient également, qui étaient dirigées ou qui planaient en tout cas au-dessus des communautés musulmanes. Et bien un an plus tard, on est en plein dedans. Donc depuis, la terreur a également frappé ici sur nos terres, à Bruxelles et à Zaventem, et ça a entraîné donc une libération de la parole raciste jusqu'au plus haut sommet de l'État. On a tous encore en mémoire les propos scandaleux du ministre de l'Intérieur, Jambon, qui avait dit donc sans aucune gêne que les musulmans avaient dansé après les attentats de Bruxelles. Et avec le recul, ce qu'on constate, c'est que ces propos, finalement, tout aussi scandaleux soient-ils, ne suscitent qu'une indignation, une vague indignation passagère en tout cas. Donc il y a effectivement des réactions de la part des partis de l'opposition dans les hémicycles, dans les parlements, mais ce sont des réactions qui restent quand même fort contenues, fort convenues. Et au final, on peut s'interroger sur l'existence d'une réelle volonté politique de mettre un frein à cette surenchère raciste et islamophobe, parce que ces indignations ponctuelles, finalement, est-ce qu'elles ne sont pas une manière de les encourager, de donner un blanc-seing à ces prêcheurs de division et d'encourager les récidives plutôt que de les prévenir? C'est la question qu'on est en droit aujourd'hui de se poser, sachant que parmi ces partis de l'opposition de gauche dite progressiste, une partie des responsables, des élus politiques, jouent eux-mêmes le jeu de la division, tantôt sur le registre d'une promotion d'une neutralité
agressive et exclusive. Je pense par exemple à cette interdiction, ou en tout cas cette disposition récente de la ville de Bruxelles d'interdire aux mamans voilées d'accompagner les sorties scolaires, une disposition qui a été adoptée sans même qu'il y ait eu un débat public. Et donc là, c'est le Parti socialiste qui en est à l'origine. Et puis tantôt, certains élus de ces partis de gauche jouent eux-mêmes, promeuvent eux-mêmes des stéréotypes assez crapuleux à l'endroit des populations arabo-musulmanes qu'ils administrent. Et là, je pense, je vais prendre l'exemple tout récent d'une élue, donc d'une échevine de Molenbeek, qui a tenu des propos qui ne feraient pas lire d'envie n'importe quel parti d'extrême droite et face auquel il y a eu des réactions, somme toute, très mesurées. Une dernière chose que j'aimerais souligner en introduction, c'est que cette année a été également marquée par le traitement indigne de la question des réfugiés à l'échelle européenne. Donc il y a un point de vue très eurocentré sur cette question des réfugiés, comme d'ailleurs sur la question du conflit syrien, qui souvent n'est abordé que sous le prisme de la menace Daesh. La menace Daesh qui risque de nous frapper, nous, ici, sur nos terres, pas celle qui pèse sur les populations locales. Et peu importe, finalement, l'enfer que peuvent vivre, je dirais, les Syriens sur place. Tout ce qui importe, c'est notre sécurité, notre petite sécurité ici, en Europe, en Belgique, en France. Et finalement, ça justifie peut-être qu'il y ait très peu de solidarité, globalement, je dirais, de solidarité, d'empathie avec les victimes syriennes à un niveau global. Et ce point de vue eurocentré participe en réalité du mythe essentialisé, racialisé, du réfugié qui est vu comme un réfugié envahisseur, profiteur, qui menacerait à la fois notre bien-être socio-économique et la sécurité des Européens. Donc dans l'actualité, encore une fois, toute récente, il ne faut pas aller très loin, on a le refus historique du secrétaire d'État à l'asile et la migration en Belgique, donc Théo Franken, qui a refusé d'accorder un visa humanitaire à une famille syrienne malgré un arrêt de la cour d'appel qui a été assorti d'une astreinte, et donc il décide de porter l'affaire d'aller plus loin encore en cassation, de faire un pourvoi en cassation pour ne pas remplir donc ses obligations. Et il assume clairement cette position en disant non, moi je ne suis pas hors la loi, alors qu'il l'est très clairement, puisque cet arrêt exécutoire immédiatement, je ne suis pas hors la loi, ce sont plutôt les juges qui ont une position politique, ce qui est quand même extraordinaire dans un état de droit. C'est pas la première fois, et ça je me dois également de le souligner, que la Belgique adopte comme ça une position limite avec la loi, qui est franchement hors la loi. Ça a déjà été le cas avec, dans l'affaire Ali Arras, donc ce belgo-marocain qui est torturé et emprisonné injustement au Maroc pour des faits présumés de terrorisme et qui se sont avérés faux, et auxquels la Belgique refuse d'accepter son assistance consulaire alors que la justice y a contrainte par deux fois. Donc quoi qu'il en soit, pour en revenir à la question des réfugiés, cette question des réfugiés est devenue aujourd'hui, comme tant d'autres questions, révélatrice de postures profondément xénophobes, voire islamophobes. Donc voilà, un programme chargé de discussions avec notre panel d'intervenants tout aussi prestigieux les uns que les autres. Et je les remercie d'ores et déjà tous les cinq pour leur présence. Et donc, sans plus tarder, je vais faire place ici aux discussions et au débat. Lorsque je vous propose, puisqu'on a grosso modo un peu moins de deux heures de discussion maintenant, c'est de vous donner la parole chacun pendant 10-15 minutes maximum pour qu'on puisse avoir le temps par la suite d'avoir un échange avec la salle, donc des questions-réponses et un débat avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je vais peut-être commencer, je vais vous présenter les uns les autres. Tariq Ramadan, qu'on ne présente plus, qui est professeur d'études islamiques contemporaines à l'Université d'Oxford, enseignant à la faculté de théologie d'Oxford pour faire court.
Faisal Chefou, donc militant, qui a été confondu à tort avec le fameux homme au chapeau, Mohamed Larini, qui était le complice présumé des attentats de Bruxelles et de Paris. Mariam Colli, qui est donc travailleuse sociale et également sociologue à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Mehdi Meftah, du membre du Parti des Indigènes de la République, et alors Audrey Alem, membre du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, qui va sans doute nous rejoindre. Qui est bloqué dans la tunnel. Voilà, qui va nous rejoindre très bientôt.